Sunshine day. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il faut l'avoir là tout le temps. La stop de soleil. Salut gang. Monsieur Chouette, je vous salue. Quand on va avoir plus de monde aujourd'hui. Mon son y est où? Il est dans le piton. Les fusées. Hey, salut cousine. Sunshine day. Mardi, faisait beau, enfin s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais nous sommes toujours là. Je suis là pour mettre un peu de soleil dans votre vie. Parce que Saint-Simonac du soleil a passé 6 mois d'hiver, on en a besoin. Fait que ça me fait plaisir. Regarde, j'ai 2 soleils, 3, peut-être 3 soleils. Hein. Moi, je vais en enlever un. Et voilà, 2 soleils. Mon son est parfait, hein? Mais oui, mon son est parfait. La famille Meeple, je vous salue, les caramels mous. The rain is gone. Quand pour 1 heure, the rain is gone. 3 quarts d'heure, 1 heure. You're there, Denise Dulac, je suis là. Bon courage à vous tous. Bon petit quiz aujourd'hui, très bon petit quiz. Travaillez fort, notre gang du Randolph, travaille fort. Devriez les remercier, toute la gang, parce que c'est eux autres qui font les quiz, hein. Travaille fort, une belle gang, des bons jeunes, des bons animateurs, des bons créateurs. Ah! De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau de là. Salut Johnny Nash. On se reverra bientôt. Ah, content d'être là, content d'être là. Puis vous autres, quiz live, boum, boum, boum. Ça va être pour, évidemment, jeudi Centre-Ville, famille, rondeau audio. Pas tout de suite, pas tout de suite, mais nous aurons. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça y est, je sais pas. Musique d'intro, pas tout de suite, dans 2 minutes. Hey, hey, hey! Pendant que vous êtes en train d'arriver comme ça, là, si vous ne l'avez pas vu passer, allez tout de suite sur notre site et imprimez ça. Regardez ça, ce qu'on vous a fait juste pour vous autres. Tu sais, quand je vous dis qu'on est des professionnels, là, allez vous chercher ça, prenez le temps de vous l'imprimer. C'est la fameuse feuille qu'on a besoin. Sinon, une feuille ordinaire, ça va, là. Mais on vous en a confectionné une gratis. Tout est là, la ronde visuelle, la ronde de jeu, la ronde thématique, la ronde auditive. Puis la ronde thématique ici va servir aussi de ronde scolaire. Oui, mesdames et messieurs. Allez vous chercher ça si vous avez le temps. Je vais la remontrer tantôt pour les autres qui s'en viennent. On est déjà 487, on va être à 95. Les girls de Longueuil sont prêtes. La feuille est imprimée, tout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est donc bien beau. Ah, l'AB de l'équipe ABCD, il manque CD. CD, ça arrive bientôt, c'est sûr. Y arrives-tu par l'entremise de l'Internet? Les Colombanois, les tout-croches sont là. Ah, les tout-croches sont là, voilà. Ça va être beau aujourd'hui, vous allez voir. C'est un beau quiz. C'est bon cette feuille, hein? Yes! Ah, il y a des professionnels qui nous entourent. C'est toujours le fun de s'entourer de professionnels. Hein? C'est ça qu'on a besoin. Alors, il est quelle heure, là? Il était 30. Non, t'es en retard. Et voyons, non, I-O-A. Non, pas ça. À chaque fois, à un moment donné. T'sais? Et c'est parti, famille. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans mon sous-sol au quiz live famille du Randolph. Et on danse! «
Salut à tout le monde et bienvenue au quiz live famille Randolph du jeudi 30 avril 15h30. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Sachez que les quiz sont le mardi et le jeudi à 15h30 et le mardi et le jeudi à 19h30 pour un quiz adulte. On a aussi les quiz 20 mystères avec Jessica Arnois les 20 vendredis soir. Les samedis, il n'a plus de d'amour et des jeux. J'ai décidé d'arrêter pour pouvoir profiter de mon chalet. Et sachez aussi que après le 20 mystères, demain, à 20h30, donc de 7h30 à 20h30, les 20 mystères, mais à 20h30, vous n'oubliez pas d'écouter, évidemment, le nouvel épisode de La Guerre des Clowns. Si vous voulez rire, sur la page Facebook de Martin Vachon, qui jouera avec des humoristes québécois au saut de la mort. Eh bien, ce jeu-là, c'est un autre jeu qui ressemble un peu à l'hostie de jeu. Une autre soirée de fou que vous allez avoir avec eux autres. Et puis, sachez que tous les épisodes de nos émissions sont disponibles en rediffusion dans la section vidéo de notre Facebook. Puis si vous aimez nos quiz et que vous voulez en avoir un juste pour votre gang, sachez que le Randolph propose des quiz live en format VIP, Very Important Person. Et pour les particuliers et les entreprises, souligner une fête, une occasion spéciale, un team building, un projet réussi, évidemment avec un animateur Randolph chevronné qui vous fait jouer pendant une heure. Une heure de pur plaisir. Alors, n'hésitez pas. Et toutes les informations que je viens de vous donner en ce moment sont toutes disponibles sur randolph.ca. Et évidemment, bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous aimez jouer. Alors, ça vous tente de vous procurer nos boîtes ludiques, des boîtes de jeux en location qui ont déjà été en quarantaine et qui le seront après avoir passé chez vous, on vous laisse 6-7 jeux pour la semaine. Et puis, vous pouvez apprendre des jeux puis jouer à votre gang. Il y a toutes sortes. Il y a de la famille, il y a enfants, il y a adultes, il y a de fous, il y a de party, il y a toutes sortes de boîtes différentes. Alors, si ça vous tente de faire ça, évidemment, essayez de vous procurer nos boîtes ludiques. Alors, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, sachez que vous avez besoin d'une feuille 8,5 par 11 pour inscrire vos réponses, parce qu'aucune réponse ne doit passer sur le fil de commentaires qu'on voit en bas ici. Et aujourd'hui, on vous a fait une belle petite feuille. Là, il y en a qui vont dire, mais où? Ben sur notre site, allez chercher la feuille. Prenez le temps, évidemment, de l'imprimer. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Vous allez l'avoir à soir ou les prochaines fois. Regardez ça, comment c'est beau. Tout est là. La ronde visuelle, la ronde de jeu, la ronde thématique, la ronde auditive. Évidemment, la ronde thématique peut être remplacée par la ronde, évidemment, la ronde scolaire. Vous ajouterez une petite case. Non, c'est vrai, c'est 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus la 1, 2, 3, 4, 5, plus la question secondaire, ouais, c'est 6. Il manque une petite case, mais ça, c'est pas grave. Vous l'écrivez en dessous. Regardez ça, comment c'est beau. Hein? On est-tu des professionnels? Regarde, ça passe en plus en bas. Un petit coup de pouce, télécharger, imprimer cette feuille de réponse. C'est-tu beau, ça? Oui, moi, je travaille avec des professionnels. C'est ça qui est merveilleux. Regardez ça. Et voilà. Alors, si ça vous tente d'aller la chercher, tant mieux. Sinon, une feuille de papier ordinaire, 8,5 par 11 avec un crayon, c'est parfait. Parfait. Alors, le quiz se déroule en 4 rondes. Il y aura une ronde visuelle, une ronde jeu, une ronde scolaire et une ronde auditive. Alors, tout ça va vous donner 20 points parce qu'il y a évidemment des rondes de 5 points, de 4 points et de 6 points. Aujourd'hui, il y a des questions bonus. Ça se peut que vous finissiez avec 21 sur 20. C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas beau? Alors, voilà. Partagez tout ça, appelez votre gang, mettez-vous toute la gang de la famille d'un bord de la table ou mettez-vous la même famille dans deux pièces différentes puis challengez-vous. En plus, savez-vous quoi? En plus, on est juste là pour avoir du fun. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et si vous voulez regarder les réponses sur Internet, bien à vous, ça ne nous dérange pas personne, mais c'est juste vous qui allez dealer avec votre affaire. Nous, on ne le sait pas, puis c'est pas plus grave que ça. Alors, évidemment, trouvez-vous un nom d'équipe si vous n'avez jamais joué. Et après, évidemment, que je vous ai donné les réponses après les questions, vous allez pouvoir inscrire, évidemment, votre score sur le fil. Ça, c'est permis, mais non pas les réponses. Merci beaucoup. C'est parti bientôt avec le visuel. Eh bien, c'est parti. Quiz Randolph Famille. C'est parti
Première ronde visuelle. On est quelle heure, là? Il est parfait, on est 36. Et c'est parti. Ta-da-dam! Pam, pam, pam. OK. On y va en 1. Comment se nomme ce célèbre hamburger? Tellement répandu qu'un indice économique porte son nom. Ça se peut-tu? Comment se nomme ce célèbre hamburger? Tellement répandu qu'un indice économique porte son nom. En 2. Quel est le nom de ce personnage dans la saga Star Wars? Et en bonus, une question bonus ici. Quel était son nom avant qu'il passe du côté sombre de la Force? Et quel était son nom avant de passer du côté sombre de la Force? En 3, l'autre bord. En 3, pour quelle occasion mettons des coquelicots sur nos vêtements? Pour quelle occasion mettons des coquelicots sur nos vêtements? En 4, de quelle série de jeux provient cette image? De quelle série de jeux provient cette image? Et en 5, comment s'appelle cet animal? Comment s'appelle cet animal? Et n'oubliez pas, les gens qui se joignent à nous, écrivez vos réponses sur un papier, ne pas écrire les réponses sur le fil, s'il vous plaît. Ce n'est pas permis quand on joue au quiz. Un petit papier, 8,5 par 11, un crayon, vous écrivez vos réponses là-dessus, vous vous trouvez un nom d'équipe, après je vous donne évidemment les réponses, les bonnes réponses, et vous inscrivez votre corps, mais ça, vous pouvez évidemment nous montrer votre score, évidemment, sur le film, mais pas les réponses. Merci. Et on recommence avec la ronde visuelle. En 1, comment se nomme ce célèbre hamburger tellement répandu qu'un indice économique porte son nom? En 2, quel est le nom de ce personnage de la saga Star Wars? Et pour un bonus de points, quel était son nom avant qu'il passe du côté sombre de la Force? En 3, pour quelle occasion mettons des coquelicots sur nos vêtements? En 4, de quelle série de jeux provient cette image? Et en 5, comment s'appelle cet animal? Cinq, quatre, trois, deux, un. Oui. Si tu as une feuille plus petite et qui t'écrit petit, tant que vous écrivez vos réponses sur un papier, ça peut être gros de main si vous voulez. Si vous avez une petite écriture de patte de mouche, je m'en fous tant qu'on n'écrit pas, évidemment, sur le fil de commentaires. Regarde comme ici. Écrivez vos réponses sur le papier, pas en commentaire. Alors, je vois qu'on augmente, on est à 825. On est bien parti. Des cœurs, des sourires, des pouces, des... Lui, il connaît ça. Qui disait ça? Hein, les parents? Qui disait ça? Lui, il connaît ça. Ah oui, je sens que je vais avoir des bonnes réponses. Je sens que je vais avoir des bonnes réponses. Les Topperman sont là. Moi, j'écris gros. Oui, t'écris gros, Dave. Ouais, mais toi, ça te prend, tu sais. Donc, bon. Ah, t'as jamais écouté Star Wars? C'est pas grave. Peut-être quelqu'un que tu connais. Partage. Peut-être quelqu'un que tu connais. Willy Lamotte. Alors, la ronde visuelle vient de terminer. Je vais donner les réponses incessamment.
Sachez que le quiz commence à 15h30 pile. Je fais un petit laïus, puis à 35-36, on décolle. Fait que si vous êtes en retard, c'est pas grave. Il reste 3 rondes de jeu. Et puis, on se revoit mardi et jeudi prochain. Fait que vous avez amplement le temps de vous reprendre. OK, on y va pour les réponses. Alors, en un, comment se nomme ce célèbre hamburger? Eh bien, c'était le Big Mac. Le Big Mac. C'est Olivier Guimond. Et oui, c'était Olivier Guimond. Lui, il connaît ça. C'est Olivier Guimond. Alors, il n'y a pas de point, là. C'est juste moi. En un, c'était hamburger. En deux, son nom du côté de la force, c'est Kylo Ren. K-Y-L-O-R-E-N. Mais si vous ne l'avez pas écrit comme ça, c'est pas grave. Tant que ça sonne Kylo Ren. Et son nom original pour un bonus avant qu'il passe du côté sombre de la force, c'était Ben Solo. C'est le fils de Han Solo et de la princesse Leia. Ben Solo. En trois, pour quelle occasion mettons des coquelicots sur nos vêtements? Eh bien, c'est le jour du souvenir. Le jour du souvenir. En quatre, de quelle série de jeux provient cette image? Eh bien, c'était Assassin's Creed. Assassin's Creed. Et en cinq, une salamandre. Quel était cet animal? C'était une salamandre. Fils de Han Solo, on cherchait son nom. Ah non, c'était Ben Solo. Si c'est chose Solo, non, c'était Ben Solo. C'est pour ça que c'est un petit bonus. C'est pas plus grave que ça si vous ne l'avez pas eu. Alors voilà, c'est le fils d'Han Solo, oui, mais c'était quoi son nom? Au complet, c'est vrai que ça n'a pas été précisé. Mais écoutez, on est là pour s'amuser, hein, si vous voulez vous mettre un point. Allez-y, il n'y a pas de trouble là. Voilà. Big Mac, Kylo Ren et Ben Solo, Le Jour du Souvenir, Assassin's Creed et Salamandre. Montrez-moi donc vos beaux points, ma gang. Ben voilà, décidez entre vous. Vous ne saviez pas que c'était son fils? Boum, on se met un point. Voilà. J'adore. Ah, la cousine seule? Ben écoute, 4 sur 5, c'est quand même bon. Hey, Caro! Yes! Ah, ça va bien, à la ribou, 5 sur 5. Les doudous. Ah, ben ici, il travaille chez Ubi. Je pense que oui, il y a eu Assassin's Creed. Ça, c'est sûr et certain. Yes, ça va bien. On passe à la deuxième ronde, ma belle gang. Pour les potatoes! C'est bon. Ça joue. 859, on est bon. Oups, maman solo. Maman solo. OK, c'est parti. Ronde de jeu. Scrabble, les amis. Scrabble. Inscrivez ces lettres-là sur votre papier que je vous nomme à l'instant. A. C. H. N, comme dans Normand, et T, comme dans théière. Alors, je vous redis ces cinq lettres. A, C, H, N, comme dans Normand, et T, comme dans théière. Et n'oubliez pas d'inscrire vos réponses sur un papier. Et si vous êtes capable d'aller vous chercher cette belle feuille de réponse qu'on vous a fait exclusivement pour vous. Parce que vous êtes des... Moi, je suis tellement heureux là, de faire ça. Là. Je suis tellement content de faire ça, là, d'avoir plein d'amis comme ça là, à travers le Québec. C'est vraiment cool. Alors, Scrabble, c'était ça. Cardline. Placez les quatre animaux suivants en ordre croissant selon le nombre de dents. Alors, de celui qui a moins de dents à celui qui a plus de dents. Oh, oh! On est parti. Alors,
Bon, on dit animaux, mais il y a humains. On est des animaux quand même. Alors, humain, dauphin, poule, cochon. Écrivez ça. Humain, dauphin, poule, et cochon. Alors, vous mettez ces animaux-là en ordre croissant selon le nombre de dents. Donc, celui qui a moins de dents, celui qui a plus de dents. Question numéro 3, ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Question numéro 3, la réponse est nécessairement une ou des couleurs pour un point. De quelle couleur est le ruban de la Fondation du cancer du sein du Québec? De quelle couleur est le ruban de la Fondation du cancer du sein du Québec? Et ne pas écrire vos réponses sur le fil, s'il vous plaît. Munissez-vous de papier et de crayon. Alors, de quelle couleur est le ruban de la Fondation du cancer du sein du Québec? Question numéro 4. Je vous donne trois informations sur un fruit. Vous devez trouver un fruit. Vous devez trouver lequel parmi les quatre que je vous donnerai après. Alors, les informations sont les suivantes. Le fruit recherché est originaire de l'Amérique du Sud. Le fruit recherché ne pousse pas dans les arbres. Il m'en manque une. Le nombre de dents de Normand Manchemot. Il m'en manque une. Le mot signifie parfum des parfums dans la langue amérindienne de son pays d'origine. Parfum des parfums. Attends une minute. Je cherche ça. Je ne sais pas s'il y a une faute de frappe ici. J'ai regardé tantôt, puis j'ai oublié de regarder vraiment. Le parfum des parfums. Qu'est-ce que c'est que ça? Le parfum des. Justine, si tu m'écoutes, c'est quoi déjà? Le mot signifie parfum des. Paroums, le parfum des paroums dans la langue amérindienne de son pays d'origine. Bon, c'est les parfums. Je ne sais pas. On va checker ça. En tout cas, le fruit recherché est originaire d'Amérique du Sud. Le fruit recherché ne pousse pas dans les arbres. Le mot signifie parfum des parfums dans la langue amérindienne de son pays d'origine. Les fruits sont orange, ananas, poire ou bleuet. Orange, ananas, poire ou bleuet. Je repose la question, la ronde de jeu. Alors, je vous donne cinq lettres Scrabble. A, C, le parfum des parfums, parfait. H, N, T, parfait. Question numéro 2. Placez les quatre animaux suivants en ordre croissant selon le nombre de dents. Alors, de celui qui a moins de dents à celui qui a plus de dents, on a humain, dauphin, poule et cochon. Question numéro 3. De quelle couleur est le ruban de la Fondation du cancer du sein du Québec? Oui. Alors, c'est le parfum, les parfums, j'y reviens. Alors, je vous donne trois informations sur un fruit. Vous devez trouver lequel parmi les quatre. Alors, le fruit recherché est originaire de l'Amérique du Sud. Le fruit recherché ne pousse pas dans les arbres. Le mot signifie le parfum des parfums, donc le best of them all, dans la langue amérindienne de son pays d'origine. Alors, orange, ananas, poire ou bleuet. Voilà. Ça va aller bon train encore. Puis pendant que vous réfléchissez, alors je vous présente le jeu à gagner cette semaine. C'est Gagne ton papa. La semaine passée, je veux dire mardi, c'était Gagne ta maman. Et là, c'est Gagne ton papa. C'est le même type de jeu. C'est un jeu de casse-tête évolutif devenu culte et un formidable outil pédagogique. En duel, soyez le plus rapide à remplir votre espace avec les pièces imposées.
en solo, former un maximum de figures par les milliers de combinaisons possibles. Et là, on vous en donne d'autres casse-têtes avec celui-là. C'est ce jeu à gagner aujourd'hui. Les jeux à faire tirer sont disponibles, évidemment, sur lerandoff.ca. Puis la question de la semaine passée, pour la gang qui a gagné Gagne ta maman, c'était combien de nez a une limace? Eh bien, la réponse était 4. La limace a 4 nez. Allez savoir. Et le jeu à gagner était Gagne ta maman. Et l'équipe qui a gagné Gagne ta maman, c'est l'équipe FCMIOERLKMQVC. Si je le dis en langue slave, ça fait FCMIOERLKMQVC. Alors, les FCMIOERLKMQVC, vous remportez Gagne ta maman. Bravo, Gagne, un nom d'équipe incroyable. Bravo, alors, bravo, félicitations à l'équipe FCMIOERLKMQVC. La question bonus sera présentée, évidemment, après la ronde scolaire. Êtes-vous prêts? Pour, évidemment, les réponses, ma belle gang. Alors, c'est parti. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est mieux? Capitaine Patnaud, attention ce soir, hein, pour ceux qui nous suivent. Vous savez que ce soir, évidemment, la ronde thématique du quiz de ce soir, c'est évidemment une galaxie près de chez vous. Alors, la réponse numéro 1, avec les lettres que je vous donnais, les lettres A, C, H, N, T, on avait, pour un point, on avait le mot « chant ». Au chant de l'alouette, je veille et je dors, j'écoute l'alouette et puis je m'endors. C'est « chant » ou « chan », T-C-H-A-N. La réponse numéro 2, alors... On y va avec la poule qui a une dent, l'humain qui a 32 dents, j'en ai 31, le cochon qui en a 42 et le dauphin qui a entre 90 et 280. Alors c'était C-A-D-B, C-A-D-B, poule, humain, cochon, dauphin, l'ordre croissant des animaux en nombre de dents dans la gueule. Réponse numéro 3, de quelle couleur était le ruban de la Fondation du cancer du sein du Québec? Eh bien, c'était rose. C'était rose. Et en 4, le fruit recherché était l'ananas. L'ananas. Et voilà. Alors, combien vous avez de points? Vous êtes supposé peut-être avoir 10 sur 9, ou peut-être 9 sur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Alors, sur 9, vous avez combien? Peut-être 10. C'est beaucoup de dents, ça, 90 à 280. Mais les requins, ils n'ont encore plus que ça. Ils ont, il paraît, ils perdent jamais leurs dents. Il paraît qu'ils ont 4-5 rangées de dents, puis qu'ils se renouvellent à chaque fois, puis sont longues de même, c'est épouvantable. Yeah! Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça roule, ça roule, ça roule. Ce sera pas possible. Je vais l'arrêter. Ma voiture est prête. J'ai été faire changer les pneus, l'huile, le silencieux. Et là, là, qu'il y avait des choses à faire sur cette voiture. Mais maintenant, elle est prête. J'irai la chercher après. Voilà. Ah, vous êtes fin de remercier l'équipe du Random. C'est vraiment cool, ça. Merci, gang. Bravo, gang. Ça joue bien, ça joue bien, ça joue bien. C'est un bon quiz aujourd'hui. Pas trop tough, mais des bonnes questions. Excellent. Ronde scolaire, êtes-vous prêts, la gang de jeunes? Ronde scolaire, je tire mon dé. Oups. Voilà. Oui, je sais, mon char est prêt. D'accord. OK. Alors, vous pouvez faire jusqu'à 6 points dans celle-là. Hein? Alors, connaissance générale. Première année. Le père de Xavier se lève toujours en même temps que le soleil. Quel jour doit-il se lever le plus tôt? Le 24 juin ou le 24 décembre?
s'y se lève avec le soleil. Le père de Xavier se lève toujours en même temps que le soleil. Quel jour doit-il se lever le plus tôt? Le 24 juin ou le 24 décembre? Ronde scolaire. Deuxième année. Anglais. Le bateau qu'on trouve sur les pièces de 10 sous s'appelle le Blue Nose. Le Blue Nose. Que veut dire ce mot en français? Le nez bleu, le bateau bleu, l'oiseau bleu ou le grand bleu? Le bateau qu'on trouve sur les pièces de 10 sous s'appelle le Blue Nose. Que veut dire ce mot en français? Le nez bleu, le bateau bleu, l'oiseau bleu ou le grand bleu? Fichu. Troisième année. Français. Selon le dictionnaire Petit Robert, doit-on dire un ou une trampoline? Selon le Petit Robert, est-ce qu'on dit un trampoline ou une trampoline? Question numéro 4. Chez les hindous, éthique et religion. Chez les hindous, quel mot sert à désigner un maître spirituel? Chez les hindous, quel mot sert à désigner un maître spirituel? En A, on a yogi. En B, on a ayatollah. En C, on a sudoku. Et en D, on a gourou. Alors, quatrième année, éthique et religion. Chez les hindous, quel mot sert à désigner un maître spirituel? A, yogi. B, ayatollah. C, sudoku ou D, gourou. Cinquième année, mathématiques. Quelle est l'unité de mesure d'angle? Quelle est l'unité de mesure d'un angle? On appelle ça comment? Quelle est l'unité de mesure d'un angle? C'est s'il n'y en a pas, c'est le dé que j'ai tiré. Secondaire, sciences et technologies. Parmi les animaux suivants, lequel est un ongulé? Secondaire, sciences et technologies. Parmi les animaux suivants, lequel est un ongulé? Alors, A, le castor. B, le cerf. C, le lézard. Ou D, l'ours. Alors, parmi les animaux suivants, lequel est un ongulé? A, le castor. B, le cerf. C, le lézard. Et D, l'ours. On se repasse la ronde scolaire. Alors, ronde scolaire, première année. Le père de Xavier se lève toujours en même temps que le soleil. Quel jour doit-il se lever le plus tôt? Pour se lever avec le soleil, le 24 juin ou le 24 décembre? Deuxième année, anglais. Le bateau qu'on trouve sur les pièces de 10 sous s'appelle le Blue Nose. Que veut dire le mot en français? Le nez bleu, le bateau bleu, l'oiseau bleu ou le grand bleu? Troisième année, français. Selon le dictionnaire, le petit Robert, doit-on dire un trampoline ou une trampoline? Quatrième année, éthique et religion. Chez les hindous, quel mot sert à désigner un maître spirituel? A, yogi. B, ayatollah. C, sudoku. D, gourou. Quatrième, cinquième année, mathématiques. Quelle est l'unité de mesure d'un angle? Quelle est l'unité de mesure d'un angle? Et question secondaire, sciences et technologies, parmi les animaux suivants, lequel est un ongulé? A, le castor. B, le cerf. C, le lézard. Et D, l'ours. Bonne réflexion.
Alors, pendant que vous réfléchissez, il y a la petite question bonus, évidemment. Si vous pensez connaître la réponse à la question suivante, cliquez sur le lien du formulaire dans les commentaires pour être éligible au tirage pour gagner un jeu. Vous avez environ 1h30 pour nous envoyer votre courriel, soit jusqu'à 18h ce soir. Le gagnant sera annoncé au début des prochains quiz, du prochain quiz. Les réponses reçues en message privé ou par courriel ne sont pas comptabilisées. Vous devez remplir le formulaire que vous allez voir apparaître. Généralement, on spamme le lien, donc remontez un peu ou attendez quelques secondes et vous devriez le voir passer. Ça va arriver dans les instants ou peut-être même qu'il est déjà passé. Non, pas encore, peut-être. Pas encore. Alors, la question est, pour gagner, gagne ton papa. Alors, ceux qui veulent gagner ce jeu, participez. Vous allez voir, évidemment, le lien passer. Question est, de quelle couleur est une émeraude? Voilà, le lien est là. Vous allez voir passer dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 secondes. De quelle couleur est une émeraude? Il va passer le lien, vous allez voir. De quelle couleur est une émeraude? Non, Marie-Josée Trudel, on ne doit pas mettre les réponses sur le fil de commentaires. Vous devez arriver, vous devez être nouvelle, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il faut toujours se munir d'un papier et d'un crayon, s'il vous plaît, pour pouvoir écrire les réponses là-dessus. Et ensuite, je vous donne les réponses et vous marquez votre score. C'est comme ça que le quiz fonctionne. Et là, on est rendu à la fin de la troisième ronde. Il vous reste une ronde à jouer. Si ça vous tente de jouer, jouez là avec nous. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Donc, évidemment, écrivez vos réponses sur un papier. Alors, les réponses sont... Question numéro 1. Connaissance générale, le père de Xavier se lève toujours en même temps que le soleil. Quel jour doit-il se lever le plus tôt? Le 24 juin ou le 24 décembre? Eh bien, c'est le 24 juin. Le soleil se lève le plus tôt le 24 juin. Fait clair plus longtemps. Le Blue Nose, eh bien, c'était le nez bleu. Blue Nose, nez bleu. Question numéro 3. Eh bien, c'est un trampoline. Nous devons dire un trampoline. Je pense que c'est le seul mot en « in » qui commence par « un ». Hey, ça c'est bon ça. Un trampoline. Question numéro 4. C'était un gourou. Chez les hindous, quel mot sert à désigner un maître spirituel? C'est un gourou. En 5, quelle est l'unité de mesure d'un angle? C'était le degré. Le degré. Et la question de secondaire, science et technologie, quel était l'ongulé? Eh bien, l'ongulé, c'était le cerf. Le cerf. Les ongulés sont les espèces qui possèdent un ou plusieurs sabots à l'extrémité de leurs membres. En fait, les sabots, quand on voit ça, c'est des ongles, mais des très gros ongles, c'est ça, le sabot. Ça fait ça comme ça à peu près. De même. Bon, je ne l'ai pas vraiment, mais c'est ça. Alors, on répète, 24 juin, un point, le nez bleu, un point, un trampoline, un point, gourou, un point, le degré, un point, et le cerf, un point. Bravo à tous, marquez-moi donc vos points sur 15. Ce n'est pas l'unité de mesure d'un angle radian, c'est autre chose. Ouais, c'est un trampoline, selon le Robert. Ben là, écoutez, selon le petit Robert, c'est un trampoline. Ici, on dit une trampoline beaucoup, mais sachez que c'est un trampoline. On ne dit pas une frigidaire, on dit un frigidaire. Ah, il est là. Oh!
ma ronde préférée, la ronde auditive. La la la, jeudi 30 avril, quiz famille. Ronde audio. Êtes-vous prêts, mes beaux amis? Alors, je vois les points rentrer, 15 sur 15. Tout va super bien. Ça me fait grand plaisir, Marie-Hélène Boisvert. Allô? Arrêtez, n'ayez pas honte, on s'amuse. On s'amuse. Moi, je jouerais à cachette avec vous autres. On serait beaucoup pour jouer à cachette, mais... Bravo, Maman Solo. Ah, bon, alors, j'ai de voir que Radiant aussi est permis comme mesure d'angle. Alors, ceux qui ont marqué Radiant, vous faites un point. C'est pas plus compliqué que ça. Un frigérateur, un réfrigérateur, un frigidaire. Frigidaire, c'est ici qu'on dit ça, hein, au Québec. Ils disent pas ça en France. Ils disent un frigo, peut-être, je ne sais pas. On dit un frigérateur ou une réfrigérateuse. On ne sait pas. Alors, ceux qui ont écrit Radiant, ça a l'air que c'est bon aussi. Alors, il n'y a pas de trop. On est ici pour s'amuser, hein. On n'est pas ici pour se faire de la peine. Trouve le formulaire à imprimer, on y passe des fois ici ou sur notre site du Randolph ou sur notre Facebook Jeux et divertissement. Moi, j'ai pris là-dessus. Oui, nous sommes tous gagnants, voilà. Alors, c'est parti pour la ronde auditive. Alors, vedette, quel est le nom de cette chanteuse et comédienne? Je la remets. Alors, quel est le nom de cette chanteuse et comédienne? 2. Traditionnel, quel est le titre de cette chanson? On remet ça. La réponse de l'ongulé, c'était le cerf. Le cerf. C'est le cerf qui est ongulé. Voilà, merci Vanessa Rousseau. Question numéro 3. Mini Mélo. Quelle est cette langue? Écoutez bien. Soy Alison Parker y soy la puta ama. No, pero bien, dilo de verdad. De verdad, mírate a los ojos. Mira la super hembra que eres. Repítelo. Soy Alison Parker y soy la puta ama. Soy Alison Parker y soy la puta ama. No, pero bien, dilo de verdad. De verdad, mírate a los ojos. Mira la super hembra que eres. Repítelo. Soy Alison Parker y soy la puta ama. Quelle est cette langue? Numéro 4. Film. De quelle série de films peut-on entendre cette musique? On se remet ça. De quel film cette musique provient-il? Un film. Quelle série de films? Question numéro 5. Quel est le titre de ce nouveau hit de Fouki et de Alicia
Moffett. Ah ben voilà, la toune de ta fille en plus. Ça va être beau ça. Et je la remets. Alors, quel est le titre de ce nouveau hit de Fouki et de Alicia Moffett? Ne vous inquiétez pas, je les remets tous. Toutes. Alors, question numéro 1. Quel est le nom de cette chanteuse et comédienne? Question numéro 2. Quel est le titre de cette chanson traditionnelle? Non, on ne met pas les réponses sur le fil, s'il vous plaît, Sarah. Baudet, merci beaucoup. Il faut écrire sur un papier. Vous viendrez nous voir ce soir avec un papier et un crayon. Alors, une question numéro 3. Soy Alison Parker y soy la puta ama. No, pero bien, dilo de verdad. De verdad, mírate a los ojos. Mira la super hembra que eres. Repítelo. Soy Alison Parker y soy la puta ama. Question numéro 4. Dans quelle série de films peut-on entendre cette musique? Question numéro 5. Quel est le titre de ce nouveau hit de Fouki et de Alicia Moffett? Et voilà pour la ronde auditive. Pas si mal, pas si tough. Peut-être pour les plus vieux, comme moi, qui ne savaient pas... 1, 2, 3... C'est pour ça que ça nous prend des enfants avec nous. Si vous en avez, tant mieux, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Alors, je vous laisse encore 10 secondes pour vous réfléchir. Alors, les réponses sont, quel est le nom de cette chanteuse et comédienne? C'était Annie Broccoli. Annie Broccoli. En deux, quel est le titre de cette chanson traditionnelle? C'était Ziguezon Zinzon. Ziguezon Zinzon. Question numéro 3, quelle est cette langue? C'était l'espagnol. C'était l'espagnol. Vous pouvez participer pareil, hein? Si vous n'avez pas d'enfant, c'est pas grave. Espagnol. Réponse numéro 4. Dans quelle série de films c'était Harry Potter? Harry Potter. Et question numéro 5. Quel est le titre de ce nouveau hit de Fouki et de Alicia Moffett? C'était Ciel. Je pense qu'il dit 150 fois dans tout. Ciel. Alors, Annie Broccoli, un point. La Ziguezon Zinzon, un point. Espagnol, un point. Harry Potter, un point. Et Ciel, un point. Ah bon? Alors voilà. C'est tout pour ce quiz du jeudi 30 avril, quiz live famille. Donnez-moi donc vos points, genre.
Oui, ce qui est merveilleux, c'est qu'on apprend des choses. Bien assis dans notre cuisine, dans notre salon, ou effoiré dans notre lit, on apprend des choses. Que ce soit une chose, deux ou trois, c'est pas grave. À ce soir, à ce soir, à ce soir. Salut, mes beaux amis. Salut mes beaux amis, à ce soir et ou à mardi prochain. Je vous embrasse, bye bye.